Jay, j'avais un constat. Je dois remarquer que, après que ma copine m'a engagé, elle a pris des pas d'ici. Vous êtes allé voir. Moi. Moi. Tu sais, moi, je ressemble à quelqu'un qui peut faire ça. Non, c'est bon. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Ta copine, elle n'est même pas jolie. Moi, je ne veux pas ça. C'est top au goût. Non, 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 je le dis, il te va. C'est joli. Oui, c'est ça. Je t'aime. C'est toi seul que j'aime dans ma vie. Je n'ai jamais connu de toi. Bravo! Comment tu vas, frère? Je vais te lever chez toi. Je n'ai pas lui donner la place. Bonsoir, madame. Et la famille, ça va? Ça va, ça va. En même temps, tu m'avais dit que tu connaissais des gens pour qui vendent les parcelles et autres là, non? Oh, oui, oui, mais bon. Moi, j'ai changé le téléphone, donc je n'ai plus le contact. Mais apparemment, moi, je n'ai personne qui vend des parcelles. Bon, ok, on va savoir. Sinon, je cherche des parcelles très, très urgentes. Hein? C'est très urgent pour moi. Comment on va faire maintenant? Hein? Moi, je n'ai personne même si, qui même vend si des. Même si c'est deux à trois étages, je peux prendre. Waouh! Il y a les fonds, mon frère. J'ai déjà payé la facture. Voisin, félicitations. Bonsoir, au moins une seule fois dans ta vie, tu as été sérieux. Sinon, j'ai attendu et ton ami là, il est en train de dire qui cherche les parcelles à acheter. Donc, vous voulez au moins 10 parcelles ou bien 20 parcelles comme ça? Oui. Voisin, sinon, j'ai payé la facture déjà. J'ai vu. J'ai des trucs à. J'ai des états à dans Revive là. Hein. Revive? Oui, j'ai des états là-bas. Il n'y a plus d'états à Revive. Non, je veux vendre et là où il y a et à report, là, dans la report, là. J'ai des états dans la report. Ça, c'est dans la ville même. Hein. Ça peut m'avantager pour mon voisin. C'est bien. Ok, voisin. Non, laisse-moi la facture. Faut que quand le propriétaire sera là, je lui montre ça. Ok. C'est vous qui êtes allé de payer les factures. Oui, sinon, j'ai des trucs là, dans le Revive, dans la report, là. Mon grand-père a des trucs dans la report. Acadien. Oui. Il y a au moins un homme. Siri, attends, je vais t'expliquer. C'est quoi ça? Attends, c'est pas. Attends, c'est pas pour moi. Siri, c'est pas pour moi. J'ai vu Aubert, je n'ai pas là. Je savais. Chérie, c'est. Laisse-moi passer. Non, c'est pour mon. Attends, c'est mon ami qui a mis ça dans ma poche, chérie. Quel ami? Attends, je vais t'expliquer. C'est pas moi. Quand je disais tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais une pierre à l'auberge. Quand je disais tout à l'heure que je te soupçonne d'infidélité là, qu'est-ce que tu as dit? Chérie, je ne te trompe pas. Tu ne me trompes pas, c'est quoi ça? C'est mon ami qui a mis ça dans ma poche. Ton ami a mis ça dans ta poche. Sérieux, je ne te trompe pas. Comment ça? Vas-y, est-ce que tu m'as trompé ma femme? Voisine, à part l'autre fois qui t'a trompé, tu viens de dire ça là. Moi, je ne l'ai plus revu. Moi, je ne l'ai plus revu depuis l'autre fois là. Il n'a plus fait quelque chose. Oui, voisine, tu as été à l'auberge hier. Il a été à l'auberge, voilà le reçu. Et il faut voir la date. Je dis vrai ou pas. C'est la date d'hier. C'est la date d'hier. Je savais que hier, sinon, là, ma copine là, qui était ici là, ils étaient allés se rencontrer. Tu ne parles pas? Ah, sinon, voisine, je vais amener ton ami, il va aller visiter les parcelles quoi. On va aller visiter les parcelles. On peut aller. Fidèle comme ça. Chaque fois, c'est la même chose. Non, c'est les voisins. C'est comme ça, ils sont dans la maison. Et tu ne veux pas changer. Mon frère, du courage. Hein. C'est comme ça, ils sont dans la maison. Hein? C'est quoi tout ça là? Bande d'infidèles là. Rentre dedans, va gérer le reste. Non, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Grande soeur. Waouh, ça fait longtemps. Il fallait m'appeler pour que je vienne te chercher à l'aéroport. Ouf. Et t'as changé. Of course, babe. Ah. So, what's up? Ça veut dire quoi déjà? Excuse me. Je me pensais encore à Nelik. Pense. C'est normal. Alors dis-moi au pays, comment ça évolue les activités? On est là. Et ton mari? Le gars là. Il est là. La star du quartier est deux jours là. Ah ouais. Hein? Mon mari avait une entreprise maintenant. Hein. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je n'ai pas plus d'informations. Je viens m'installer définitivement au pays et je compte relancer mes activités. Hey, la grande soeur. Hey, mon beau. Comment tu vas? Le beau. Waouh, mais tu es venue depuis quand? Ça fait une semaine déjà. Waouh. Ça va toi? Oui. Non, mais regarde, tu es très élégant là. Ça va? Ah, je confirme. Tu vas faire manger à ta grande soeur? Waouh, et les autres là-bas? Ils vont très bien. J'espère que tu as amené beaucoup d'argent. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Waouh! Tu ne pas faire manger à ta grand-soeur? Tu m'as servi, hein? Je mangeais, j'ai bu et puis tout va bien. Ah ouais, alors bébé, c'est moi à manger alors. Ça fait quand même 10 ans que j'ai quitté le pays, hein. C'est important que je vienne construire quelque chose chez moi. Donc, je compte créer une entreprise d'import-export. Et déjà, je ne sais pas à combien vendre les parcelles ici, mais je vais te laisser 10 millions. Pour que tu puisses me chercher un bon endroit, un très bon local. Bébé,
Mais je te demande de me servir à manger. Fais-moi manger, non? Bon, on va continuer après. Vas-y. Alors, ça va. J'ai entendu parler de projet d'argent. Bien sûr, je vais quand même pas faire toutes ces années-là là-bas et me reconstruire chez moi, tu vois. Bien sûr, actuellement, moi, je suis dans les affaires de parcelles. Hein. Ah oui? Je vois des parcelles un peu partout. J'ai des parcelles à Grandi, à Foussa, à Kézé. Tu connais Akiki? Dis-moi, ce sont des là-bas. Oh non, c'est des endroits que les gens cherchent actuellement au Bénin. Et là, les gens me proposent de les vendre ça, mais je ne veux pas. C'est un bafon là-bas. Là. Je te dis que c'est. Les gars, c'est très moins cher. Je peux te faire ça à un bon prix. Et il ne faut pas que ta soeur soit au courant. Elle peut être jalouse de toi. Pourquoi est-ce que ma soeur sera jalouse de moi? Tu connais en Afrique. Là-bas, là, c'est autre chose. Ici, c'est autre chose. Si tu as gagné beaucoup d'argent, confie-moi ça. Moi, je t'achète ça. Et tu as. C'est entre toi et moi. Mais tu es sûr que c'est plus des bafons? Regarde, moi j'ai changé. Regarde, lui porte les faits. Lui porte les costumes. Mais j'ai remarqué que tu es très élégant. Si mais... tu as d'argent, tout ce que tu as amené, confie-moi ça. Moi, je te gère ça. Bon, d'accord. Mais dis-moi, à combien est-ce que tu pourras me trouver 3 à 4 parcelles environ? Et quand tu ne veux pas des hectares, il y a des hectares là-bas. Hein. Bon. Aussitôt, 3 à 4 parcelles avec 5 millions, 7 millions, ça fait gérer. Ah oui? Oui. Et 1 hectare, je peux l'avoir à combien alors? Avec 10 millions, 15 millions, ça peut aller. Bah oui, c'est que ça peut faire l'affaire. Ah. Alors, dis-moi, tu peux faire les virements ou les chèques? Ou... Bon, je suis fou, je prends les virements, c'est mieux. Bon, d'accord, tu vas m'envoyer ton compte et je te fais le virement. Voilà, c'est fait. Ah oui, c'est bon. À part les parcelles, il y a plus de que tu veux et tout. Bien sûr, je vais quand même faire beaucoup de choses, mais je vais commencer d'abord par les parcelles. Oui, chérie. Enfin, de retour. Bon, je vais vous laisser rapidement parce que. Tu ne manges plus? Non, je dois aller quelque part. Il faut que j'entame en même temps. Bébé, tu t'arrêtes, d'accord? La grande. Ok, c'est ça, toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, pourquoi je ne voulais pas le servir au repas? Mais maintenant, je suis un dieu. Non, ça, c'est un peu. Ah. Vas-y. Oui. C'est toi? C'est là que tu as dormi? Oui. Madame n'est pas rentrée. Des choses comme quoi? Non, votre mari, ce qu'il vous fait dans la maison, moi, je n'apprécie pas. Hey. Vous souffrez trop. Vous ne méritez pas ça. Ou bien. Il y a un bar là, on va rester là. Et pas là. Attends. Celui qui nous aide, qui nous donne l'argent, tout ça là, financièrement, c'est lui.